Je vais passer le maréchal à brigade Antine, mon jeune dame. Nous sommes à cette date du vendredi 1er mai, qui fait le travail, donc j'en profite pour dire bon fait de travail pour le monde entier, tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous portent dans le cœur, ceux qui essaient de prier pour le ministère, pour l'avancement de ce ministère, ceux qui aimeraient voir le ministère prospérer, que Dieu bénisse. Nous venons en train de finir une réunion d'organisation, nous sommes en train de structurer le ministère. Nous avons décidé de mettre encore beaucoup de choses au niveau du ministère. Parce que c'est vrai que j'ai donné un truc où j'ai dit pour aménager ici, c'était 10 millions. Non, c'est plus que 10 millions, ça fait 50 millions. C'est seulement les appareils. Parce que les appareils que nous allons avoir ici, ce sont des appareils de pointe. Nous allons avoir un service ici de communication. Nous allons faire un direct, dans un premier temps, un direct avec les caméras professionnelles. Avec tout le système informatique, c'est le système informatique, les appareils qui vont dans l'ordre d'un million. Parce qu'on a besoin des climatiseurs, on a besoin de renforcer le système informatique, on a besoin de renforcer même la sonorisation, la climatisation. Il y aura deux salles. Nous avons ici la salle ici. Ici, nous allons créer une salle d'informatique ici. Nous avons le secrétariat, nous allons créer ici mon bureau, le bureau du secrétariat. Et mon bureau et tout ça. Et puis il y aura une salle d'entente. La salle d'entente et tout ça. Et la salle d'entente sera une bibliothèque pour permettre aux gens qui viennent nous fréquenter d'être vraiment assis. C'est notre vision, c'est de faire asseoir les gens dans la parole de Dieu. Non seulement ça, de les évangéliser, de les amener à connaître Christ. Or, quand les gens viennent dans les soucis, ça s'arrête au niveau de la délivrance. Nous voulons nous perfectionner. Voilà, donc nous avons besoin de 50 millions de francs. Pour, n'est-ce pas, construire encore et aménager le secteur. Nous allons, n'est-ce pas, mettre la peinture. Nous allons aménager les biens jusqu'à ce que Dieu nous fasse la grâce pour partir sur notre site pour construire la synagogue. Donc, dans un premier temps, c'est d'aménager ici. Voilà, c'est d'aménager ici. Je fais l'appel au monde entier. Nous avons besoin de 50 millions de francs pour vous satisfaire. Déjà, en matière de qualité d'image, vous savez que dans les débuts, ce n'était pas propre. Maintenant, ça commence à aller. Nous voulons faire des directs pour que vous puissiez vraiment suivre. C'est possible. Si c'est l'onction, Dieu nous a donné l'onction pour suivre nos différents enseignements directs, pour que le service de communication soit encore très efficace. De tout ça, vraiment, nous avons besoin de moyens. Aujourd'hui, nous avons besoin de moyens. Nous venons de finir une réunion de tout ça. C'est vrai qu'il y a eu 10 millions, mais finalement, c'est 10 millions, c'est pour les appareils. Voilà, les appareils, ça fait 10 millions. Et avec la construction et tout ça, du nouveau coin, parce que tout le monde aura l'occasion de voir l'endroit. Voilà, donc voici le président, voici la soeur qui est venue de l'Allemagne, voici toute l'équipe par la grâce de Dieu. Nous venons de finir une réunion par la grâce de Dieu. Nous faisons appel à tout le monde entier, tous ceux qui nous suivent depuis l'Asie, depuis l'Europe, depuis le continent américain, que le Seigneur vous suscite, n'est-ce pas, en fait, de pouvoir apporter des moyens pour que ce ministère puisse aller de l'avant. Donc, nous avons des grands besoins. Et cette fois-ci, c'est le 1er mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de toutes les grandes décisions. Donc, nous avons mis 50 millions de francs pour aménager ces nouveaux de vie ici, surtout les locaux, pour refaire et tout ça. Parce que Jésus-Christ est puissant. Vous avez investi dans le passé, dans les funérailles. Vous avez investi un peu dans des tombes. Il y a des gens qui vont même construire des tombes à 10 millions, à 20 millions, ça maintenant c'est l'œuvre de Dieu, le Seigneur a besoin de vous. C'est la première fois où je demande même de nous donner l'argent pour construire. Nous avons besoin de ça, vous savez que nous construisons ici. Nous sommes tous constamment actifs ici. Donc, je vous demande de nous aider à pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Vous aurez l'occasion tout à l'heure, oui, non, on va aller voir le coin. Voilà, donc c'est ici. Nous allons carrément casser ici. Jusqu'à ce mur là, jusqu'au mur là. Voilà, nous allons casser carrément ici, jusqu'à ce mur. Voilà, je sens que reste ici. Nous allons construire jusqu'à ici. Grand fond, cet écart reprend pratiquement
600-700 personnes. Ici déjà 600-700 personnes. Ici, à la grâce de Dieu, on aura les crayons, tout ça, l'équipage et tout ça, nous l'avons fait carrément en direct. Nous avons refait la peinture, nous avons refait les locaux, les chambres, les trucs, et tout ça sera refait. La peinture et tout ça, la peinture, nous avons équipé, et puis désormais ça sera en direct. Alors non, le temple de Zaroko restera comme un temple aussi de camp de prière. Les malades seront acheminés de l'autre côté, et nous allons suivre aussi la délivrance de l'autre côté. Tous les vendredis seront aussi des moments aussi de veiller au niveau des Zaroko. Ben ici, nous allons rester en esprit de culte, en esprit de centre de prière, de délivrance. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger, voilà, donc, venez à l'aide de ce ministère, soutenez-nous pour que nous puissions réaliser ce projet à la hauteur de 50 millions. Dans les 10 millions, c'est pour les appareils. Il faut que nous ayons des équipements pour qu'ils puissent recevoir tous nos messages, nos vidéos en direct. Voilà, en direct. Donc, que Dieu bénisse. Vous pouvez appeler déjà à mes numéros pour déjà communiquer vos dons. Vos dons, nous allons les recueillir vos dons. Il faudrait que jusqu'à d'ici décembre, que ça soit déjà fait. Alors, nous voulons faire jusqu'à décembre. Voilà. Mon numéro, c'est tellement simple. D'abord, je donne mon nom. C'est Krasso Joël Shalom. Krasso, K-R-A-D-S-O. Gioro, Joël Shalom. À l'état civil. Ça, c'est tout mon nom à l'état civil. Pour ceux qui veulent faire le Western Union, le Monogramme pour nous soutenir, c'est Krasso, Gioro, Joël, Shalom. Le Shalom, ça va être deux O. Donc, je réponds Krasso, K-R-A-2-S-O. Gioro, c'est G-J-O-R-O. Joël, Shalom, S-H-A-L-2-O-M. Shalom, que Dieu bénisse.